Pour service rendu à la nation, l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire a décidé de distinguer les militaires les plus méritants. 105 officiers et sous-officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont reçu la reconnaissance de l'État. 4 ont été faits chevaliers de l'ordre national, 42 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 59 autres médaillés des forces armées. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée à la 3e région militaire de Boaké, en présence des autorités administratives, coutumières et civiles de Boaké. Le colonel-major Tiatimoko, commandant de la 3e région militaire, et le lieutenant-colonel Kwaku René, porte-parole des récipiendaires, ont exprimé leur gratitude à la hiérarchie militaire de l'État de Côte d'Ivoire. Le général de brigade Firmin Détho Létho, chef d'état-major adjoint chargé du soutien, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a invité les récipiendaires à œuvrer pour une bonne sécurisation du pays. Monsieur le récipiendaire, c'est un honneur pour moi de vous remettre ces décorations fort bien méritées au nom du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. En effet, vous êtes constamment appelé à suivre une série de règles et un code d'éthique très exigeant. Devoir envers le pays, loyauté envers vos compagnons d'armes, intégrité dans tout ce que vous faites. Parmi les récipiendaires, 3 femmes se sont distinguées par leur sérieux et leur abnégation au travail.